Mais on restait proche du truc. Ce qui fait qu'on pouvait aller dans les soirées où il y avait des peintres, des écrivains, l'autre qui était à l'école de médecine, l'autre qui était graffeur, nous qui faisions du raga. Voilà, c'était des bonnes soirées multiculturelles où voilà. Tout le monde. Et nous, on faisait l'esprit ouvert. On parlait comme on parle aujourd'hui, ce qui fait qu'on pouvait parler avec des gens beaucoup plus cultivés sans se taper la honte. Aujourd'hui, les mecs, volontairement, ils parlent comme des connards. Mm-hmm. Et on sait que quand on se lâche en français, c'est dur de récupérer après. Vous ouais. savez, vous avez des profs de français. Oui. Eux, sont lâchés volontairement. Ouais, t'as vu, Attends, demandez-lui de parler normalement. Il sait même pas le faire, le mec. Ah, aussi. Eux, ils font tout pour se différencier. C'est une génération de merde. Mais si je peux apporter un peu de motivation. C'est le message, quand même, oui. Si on peut apporter un peu de motivation à un mec qui a envie de s'en sortir, tant mieux, quoi. C'est une démarche personnelle. Ouais. Personne ne peut rien faire pour eux. Donc, tous ces petits connards qui pleurent leur race en musique, là, dans leur rap de merde, basé sur des textes, parce que c'est même pas de la musique, c'est du texte de merde qui raconte la vie des autres. C'est même pas leur vie qui raconte, c'est bidon de mytho. Parce que quand on tue des gens, faut pas le dire hein, sur une musique. Parce qu'on se fait péter direct. Et quand on vend de la cam aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, on entend des rappeurs qui disent quoi ? Ouais, moi je vends des lignes et toi tu les sniffes, je sais pas quoi. Mais c'est honteux quoi. C'est honteux. Rien qu'à notre époque, ces mecs-là, rien qu'à cause de leur gueule, ils auraient pas pu chanter. Parce qu'il y avait des grands qui venaient, ils disaient hey, ferme ta gueule, tu racontes des trucs qu'il faut pas dire, là, dégage. À notre époque, t'aurais pas pu avoir des propos comme ça. C'est pas possible. À notre époque, c'était vraiment strict. La musique, c'était vraiment un mouvement très très strict. Interdit aux bouffons. J'ai vu plein d'artistes à cette époque-là qui sont pris des coups de bouteille en son de système parce qu'ils chantaient les lettres qu'il fallait pas chanter. Quand t'allais en sonde à l'époque, on avait besoin de. Il y a des choses que j'ai appris par le biais de lyrics d'autres artistes. Moi, c'est comme ça. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. C'est même pas à l'école que j'ai appris ça. C'est en écoutant les lyrics de Big Rain, en écoutant les lyrics de Big Daddy, en écoutant les lyrics. Je fais ah ouais, il s'est passé ça à telle époque. Tu vois, donc. C'est la culture. C'est la culture. C'est vraiment une école. C'est une école. C'est vraiment une école. Ouais, c'est une école. Il y a des règles pour rester. À l'école, il y a des règles pour être un bon élève. Dans la vie, il y a des règles pour être un bon gars. Un gars respectable. Un gars qui pète pas plus haut que son cul. Et surtout pas un mytho. Parce que nous, dans la musique, ce qu'on recherche, ça a toujours été le vrai. Moi, je suis un maniaque, c'est-à-dire je cherche toujours qui est l'original de quoi au caisse. Mm-hmm. Alors quand j'écoute la radio en ce moment, je pète des câbles. Quoi. Allez trouver l'original qui a fait ce style-là en premier, mais c'est incroyable. Ah, oui. C'est perdu au milieu d'une masse de soakers, quoi. Hein, de suceurs en français. Quoi. On m'a dit, voilà, il y a un original pour 12 000 soakers, donc c'est dur. Oui. Mais nous, on s'y accroche quand même. On lâche pas l'affaire. Ouais, le but c'est quoi ? C'est d'être spontané. Pour être spontané, pour être efficace dans la spontanéité, faut être le plus honnête possible. Envers soi-même déjà.